Je m'appelle Christophe Cook, j'ai 26 ans, je suis conducteur d'engin depuis 8 ans maintenant. Alors conducteur d'engin, bah, c'est simple, hein, ça consiste à charger des camions de chantier de façon à faire des mouvements de terre, c'est-à-dire déplacer de la terre pour mettre à un autre endroit et faire du terrassement principalement. Moi je fais de la niveleuse, de la pelle, du mule, du chargeur. Je suis un peu polyvalent. Il y a pas mal d'initiatives à prendre. Moi on n'est pas toujours derrière mon dos pour me dire ce que je dois faire. Je veux dire, si je peux prendre une initiative, je la prends. C'est ce qui fait la richesse du métier. Alors comme qualité pour être un bon conducteur d'engin, je pense que d'abord il faut s'intéresser à son travail. Il ne s'agit pas de charger des camions toute la journée, je pense qu'il faut savoir ce qu'on fait, pourquoi on le fait, et à partir de là, je pense que ça devient très intéressant. C'est un métier qui est physique, il ne faut pas voir le côté « je conduis, je suis tranquille hein, », parce qu'on demande une certaine rentabilité. Dans ce métier, on peut facilement évoluer à partir du moment où on s'intéresse et qu'on a envie d'évoluer. J'espère progresser le plus rapidement possible. Pour pouvoir être amené à diriger des chantiers par la suite, éventuellement. C'est-à-dire, quand on est petit, on rêve toujours de jouer avec les camions. Ben là, je suis grand et je joue avec des vrais camions. Hein.